vous parce que j'en ai moins et peut-être. Voilà. Qu'il y ait encore aujourd'hui sur les murs de nos villes des croix gammées qui soient inscrites, comme avant-hier sur le portrait de Simone Veil, que tout près d'ici, dans l'Essonne, des arbres plantés à la mémoire de Ilan Halimi aient pu être déracinés, c'est inadmissible. Ce sont des bégaiements de l'histoire que nous ne pouvons pas tolérer. Je crois qu'au-delà de la douleur, il y a aussi une seconde douleur, qui est le silence. Le silence parfois coupable dans lequel se déroulent ces actes antisémites. Et je crois qu'il faut briser le silence. Close et nous effraie. À l'heure, dans ce quartier de notre ville lumière.